L'Iran a dénoncé les nouvelles sanctions américaines contre son industrie pétrochimique. Téhéran dit que ces décisions vont à l'encontre des déclarations du président américain Donald Trump, selon lesquelles les États-Unis sont ouverts au dialogue. Les sanctions ont été annoncées vendredi contre le Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company. Il s'agit de la plus grande entreprise pétrochimique d'Iran. Washington l'accuse de soutenir les gardes iraniens de la Révolution islamique, une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis. L'entreprise détient 40% de la capacité de production pétrochimique d'Iran et représente la moitié des exportations du pays dans le secteur. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a dit que cette décision est un signal envoyé aux organisations qui fournissent de l'aide financière aux gardiens de la Révolution.